Hey, coucou! C'est les successeurs de Disney! Et on se trouve aujourd'hui pour quelque chose d'assez spécial. C'est pas vraiment des fan art, c'est plus des petites créations. Voilà, en fait, donc ils se sont inspirés de cocktails. Voilà, ils sont partis sur des cocktails. Enfin, ils sont inspirés des personnages Disney, pour faire des cocktails, en fait. Voilà, vous les avez peut-être déjà vus sur Facebook parce que ça a été beaucoup partagé. Ouais. Et nous, du coup, on va regarder ça. Apparemment, c'est le site ou l'organisation, je ne sais pas, Codis Cocktail qui l'a fait. Je ne sais pas si c'est une marque, si c'est un groupe, une page. On nous les envoie comme d'habitude, mais cette fois on fait bien attention à voir les noms avant de vous les montrer. Donc on commence tout de suite avec Alice, la confection curieuse, je suppose. Et vous avez même la recette. Donc attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et moi-même, je n'en bois pas du tout. Donc voilà, c'est pour vous dire. C'est surtout parce que ça peut être joli à voir. Alors, on a la recette. Donc c'est crème de banane. Toi qui bois beaucoup. Non, est-ce que même moi qui bois pas, on dira si en fait, nous donne envie ou pas. On dirait Alice à l'envers, en fait. Parce qu'on sera... Ah, j'avais même pas capté les cheveux. Les ouais, cheveux, ah ouais. Le blanc et puis le bleu. Alors, crème de banane. Blue curaçao. Ouais, c'est je sais pas ce que c'est. Je sais plus comment ça. C'est curaçao ou un truc comme ça. C'est un espèce de sirop bleu, un peu. Je sais plus. Je crois que c'est pas très alcoolisé. Et ça a un goût assez spécial. C'est vraiment le goût du curaçao. Dites-nous dans les commentaires ce que c'est. Ouais. Malibu. Vous qui êtes fan d'alcool. Malibu, c'est de la noix de coco. Oui, et orange vodka, de la vodka. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il te donne envie, lui? Bizarrement, non. Pourtant, t'es fan d'Alice. Pourtant, j'adore Alice, mais là, non. Et t'aimes bien les cocktails, toi? Oui, après. Pas trop alcoolisé. Non, si, ça dépend quoi après. Mais... Ouais, mais il y a beaucoup de sortes. Et bah, justement, il y a un bar pas très loin de chez nous où ils font un cocktail qui s'appelle le Mary Poppins. Et tu l'avais pris, je me rappelle. Mais il est sans alcool. C'est bien. Ah, il y en a deux. Ah. Donc, on a la reine rouge et le chat. Et le chat curieux. Oh, trop bien. J'aime beaucoup le chat, tu vois, là comme ça. Alors c'est, donc on commence par la reine. Alors la reine est du citron vodka, bleu d'orange vodka. Donc orange sanguine, je crois, vodka. Jus d'orange sanguine. Donc c'est très orangé. Mmh. Et il y a un petit cœur avec une petite cerise, ça fait un cœur. Ouais, c'est classe. Et il y a une petite cerise dessus. Et le Curious Cat, c'est du Sprite, du Berry Mio et du Loopy Vodka. Alors là par contre, Sprite oui, je connais. Vodka aussi, mais après les autres. Cocktail. Berry, c'est des baies, ça. Berry, oui, c'est toujours des baies, parce que blueberry, c'est la myrtille. Ouais. C'est des baies, quelque chose. Même les framboises, c'est berry, donc. Mais voilà. Le chat, il est joli, je trouve. Ouais. La couleur. Il faut ouvrir un bar Disney. Venez, voilà, on va l'appeler les successeurs, le bar. Oh, on dirait une glace. Ouais, c'est vrai. Belle. Of the bar. On dirait une glace. Ouais, donc c'est crème de banane, vodka de chocolat et lait. Mais c'est une glace. Chocolat. Tu vas pas boire de la chantilly comme ça? C'est très bizarre. Dites-nous si vous avez déjà. J'ai l'impression que c'est une glace. Bu des cocktails avec. C'est vrai. Bah du coup tu mets du chocolat, de la vanille et de la chantilly en fait. Bah, ça peut passer. Belle. Mais là tu mets de la crème de banane, c'est liquide. La vodka de chocolat, si ça existe vrai, ça doit exister je suppose. Pour que ça marque comme ça autant dans la crème de banane, c'est vrai que ça fait plus glace. J'ai l'impression que c'est solide en fait. Dites-nous d'après vous si c'est possible. Mais elle donne envie. Ah, elle a l'air bonne. Oui. Moi, on me dit que c'est chocolat vanille. Moi, attention, moi personnellement, je vais dire si ça me donne envie au niveau de la beauté du truc, pas au niveau des ingrédients. Hein. Parce que moi. Oh, on dirait du poison. La vodka noire, du. Du whisky, ça. C'est du raisin. Du schnapps. Je sais pas, grappe, ça me fait penser à raisin. Grappe de raisin, bah oui. Et de la pomme, quelque chose à la pomme. Quoi. Donc c'est la vodka noire qui donne cet effet-là. Mais t'as oh vu, il y a le violet. Ouais. Le... Donc, ça fait un dégradé de violet vert. Ça me donne pas envie d'y boire, mais ça fait joli. Ça fait très poison, en fait, là, pour le coup. Oh, mais ça va bien avec le personnage. Sinon, il est beau, Ouais. Ah, donc on a Blanche-Neige, Grognon... Et Grincheux et la pomme empoisonnée, ouais. Quoi, je suppose. Hein. Donc Blanche-Neige, c'est tout simple, c'est encore du curaçao et du pineapple, c'est de l'ananas. Oui. Donc là, ça a l'air simple. Ça a l'air pas. Oui, ça a l'air bon, ça. Grumpy. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Oh, vodka orange, grenadine et crème. Ça a l'air simple. Oui. Et. Oula, il y a beaucoup de choses. Jägermeister. Ah, j'aime pas ça. Jägermeister, c'est le truc aux plantes très fort. Ouais, c'est le truc. Ah, j'aime pas ça.
Apple vodka, apple et cranberry juice. Oh là là, merci. Bah disons que ça fait joli, mais parce qu'ils les ont mis tous les trois ensemble en fait. Ils en auraient mis qu'un, ils sont pas forcément très beaux à voir quoi. Après relayer à leur personnage inspiré ou ça passe. Ouais. Suivant. Oh ah excellent. Sleepy, ah bah voilà. Cycle. Bah, elle est cool celle-là. Hypnotique et Sprite. Ah, il est sympa, hein. J'aime bien, du coup. Bah, c'est parfait, hein. C'est exactement, ça donne envie. Bah, j'aime bien, ouais. Ça a l'air intriguant, en tout cas. Ouais. Oh, là, c'est joli, ça. Blueberry. Là, tu vois, on aurait pu prendre pour la Reine des Neiges, par exemple, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, il est vraiment joli, est beau, joli, hein. Joli, ouais. Ah, celui-là, il donne envie, ouais. En plus, avec les petits cristaux de sucre, là, ouais. Ou qui donne l'impression du cristal de ses chaussures, enfin, du verre de ses chaussures. Ça, celui-là, il donne envie. Ouais. Excellent. Poussière de fée. Donc vodka, miel, triple sec, les cidres. Ça a l'air simple. Ouais. Bah, c'est jaune. Ah trop bien. Alors, le cocktail de Cruella. Raspberry vodka, chocolat liqueur. Encore, la liqueur de chocolat doit vraiment marquer, hein, parce que à chaque fois qu'ils en marquent quelque part, ça fait des traces spéciales. Et de la crème. Très joli. Ça, c'est original pour le coup. Ouais. Ah bah. Bah voilà. Parfait. Bah je préfère celui de Cendrillon, tu vois. Chocolat blanc liqueur, peppermint, marshmallow, milk. Je préfère Cendrillon pour le coup. Excellent. Hercule et Mégara. On dirait de la bière au beurre. Ouais, c'est ça. Alors c'est de la berry. C'est dur à dire. Alors là, j'arrive pas à dire. Et Mégara, c'est Angry Orchard Cidre, Apple Volca, Gold Bow. Mais c'est sympa parce qu'ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Ouais. Bah oui, voilà, c'est ça. Du coup, c'est un des boissons à prendre en couple. Oh, oh trop bien. Les eaux de papa. Oh, c'est ça, les eaux de papa. Apple, donc de la pomme, Volca, du cidre. Ouais, du schnapps. C'est fait pour faire penser à un sourire, tu penses? Non, ça fait... toile d'araignée. Ça fait un peu bizarre, en fait. Je sais pas ce que c'est. On dirait du jus de pomme avec de la réglisse. Ouais, mais ça fait on dirait qu'il y a un fil, en fait, dedans. C'est un truc dégueulasse qui flotte. Oh, le verre aide beaucoup. Alors, du rhum blanc, du curaçao, du midori et du jus d'ananas. Très joli. Celui-là, est... la couleur est belle. Excellent. Là, c'est de la triche, ils ont mis des Oreos. De la vodka d'Oreo. Bah, des Oreos à la vodka, je sais pas. Du chocolat blanc, de la liqueur de chocolat blanc et de la crème glacée. Encore une fois, ça fait plus glace. Mais je pense que là, c'est vraiment une crème glacée. Parce que c'est vraiment ice cream. Il y a de la crème glacée, donc à mon avis, c'est une crème glacée. Oh, rouge et rouge. Porcelaine. Oh, guerrière de porcelaine et mouchou. Ça change tout. Alors, il y a de la cerise, il y a du litchi et de la mangue. Mmh. C'est un petit cocktail simple. Et à côté, on a le mouchou qui est fait avec du poivre. Du poivre. Oui, ça pique. Ouais, celui-là, il doit être... Bah oui, c'est un dragon. Hein, donc bah oui, bien sûr. Mais que ça pique un peu. Oh, ah, trop... oh, c'est dégueulasse. C'est des bonbons. Oui, mais alors, ça fait dégueulasse. Citron, midori et MT Dew. On n'est pas doué en alcool. Mais il est sympa, enfin, ça s'apprête bien au personnage. Là, ah bah là pour le coup, oui. Là pour Halloween, une boisson comme ça, c'est vachement sympa. Ah ouais. C'est bon, bah ouais. Ah, oh ah non. La sorcière des mers. C'est des bonbons aussi, ça donne pas envie. Ouais, c'est des bonbons en distance. Grappe, cœur, Malibu. Grappe, je sais pas, moi ça me fait. Je sais pas, je suis quasi sûr que c'est du raisin. Je sais pas. Malibu, donc la noix de coteau et du scrr. 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 Mettez en commentaire si vous savez ce que c'est du scrr. En fait, il va y avoir tant de mille commentaires, ils vont dire, mais vous êtes nuls. Oh, il est beau celui-là. Ah, lui, il est beau. Oh, il est joli. Le son de la sirène. Oh, il est tout joli, tout la bien. Musique de la sirène, le chant de la sirène. Du curaçao, du Malibu et du Spiced Rum. Du rhum. Du Malibu. Oh, mais il est beau celui-là, j'aime beaucoup. Ça fait les cheveux, l'eau et la queue. C'est vrai. Ah ben voilà. Mixé Ariel. Oh. Ah, au bélé, ça m'étonne pas. J'aime beaucoup. Ah oui. J'aime beaucoup le truc en dessous. Bah, c'est le bélé qui donne de l'extérieur. Ouais. Très joli. Bélé, frangelico, amaretto, cinnamon, ça c'est quelque chose que je connais, ça. Cinnamon, ça me parle. Mais c'est... C'est pas du citron, du cinnamon. Quelle bande de nous. On va le savoir à la fin. Cinnamon, du citron. Cinnamon, je sais pas.
C'est joli celui-là. Réponse. Saint-Germain. Une fleur dedans. Ouais, je crois que c'est fait exprès pour donner cette impression. Champagne. De la poire. De la vodka. La vodka. De poire. Et du champagne. Ah bah ouais. Là, c'est un champagne pour le coup. Ouais. C'est pas un cocktail. C'est un pétillant ça. Bah si. Après, tu peux mélanger avec du champagne. D'accord, mais j'en sais rien moi. Mais. Là, celui-là, il doit être. Champagne, vodka. Ah oh, il est trop classe. Oui, il est classe. Alors, de la vodka de pêche, de l'amaretto, du jus d'orange et de la mangue. Oh, il a l'air bon celui-là. Voilà. Je le veux. Je le veux celui-là. Je le veux. Et puis j'adore la tête aux yeux. Oh, il est trop avec les antennes. On dirait que ça fait des vagues. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Manque de rhum. Il me faut du rhum. Du rhum de mangue. Malibu et encore de curaçao. C'est beau. C'est bizarre de le voir avec un collier. Classe. Oh, c'est du thé. La menthe. Ah bah là pour le coup, là, oui, c'est ça que fait... du thé. Ah non, il y a du gin. Là, ça fait penser à un... C'est génial avec le drink ça, me. Ça pète, j'adore. Ça donne envie de faire plein de petits pots comme ouais. Ça, tu sais, pour une soirée à thème. Ça, j'adore, c'est trop bien. Donc, ça fait penser à du mojito, là, par contre. Donc, du citron. Avec de la menthe, du citron et... Du citron. Il n'y a pas de glace pilée. Ah ouais, c'est une forme de mojito avec ouais. Du gin en plus. Hein. Ouais. Et il y a du gin dans le mojito. Ah, bah tu vois, c'est le mojito. Oh, oh classe. Donc, du rhum dark. La grenadine. Du jus d'ananas, c'est de la grenadine. C'est quand t'arrives à la fin... attendez, regardez. C'est quoi cette tête? Pardon. On dirait qu'on lui a appliqué un truc sur la tronche. Ouais, c'est bizarre. Ah, mais j'aime bien. Ouais. Royal Vizier. Avec un Z. Oh, avec son faucon. Oh. Oh, bah alors lui, on n'y pense plus à celui-là, tiens. Du chac. Chèque. Du saké. Mais le saké, ça arrache, non? Bah, c'est un truc chinois. De la liqueur de gingembre, de l'orchidée qui a faim. On a rien. Voilà, on est tellement nouilles. Non, mais c'est sympa, par contre, ça doit arracher. Hein. Ouais. Ah, bah c'est fini. Bah voilà. Alors, lequel t'a donné le plus envie? Le sac. Le sac. Non. Lui, il est beau. C'est vrai que celui de Cendrillon, c'est Cendrillon, le premier qui t'a marqué, et ouais. Pourquoi pas. Cruella est belle aussi. Après, il y en a beaucoup, ils fonctionnent parce qu'ils sont en couple. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Mickey, c'est simple, enfin, c'est du... Ouais. C'est du simple, quoi. Lui... Moi, j'aime bien l'originalette, hein. Comme c'est un sac à plus. Ouais. Un sac à... Oui, celui-là, il est beau aussi. Ouais. Celui-là aussi. Et celui-là. Ouais, celui-là. Et celui-là. En fait, bah, dites-nous, tiens, mettez en un seul commentaire ou en plusieurs comme vous voulez, dites-nous lequel vous donne envie. Bah, parlez pas par rapport à l'alcool, hein, c'est bon, on s'est engueulé. Lequel vous donne envie parce qu'il est joli, mais quel est votre préféré quel est votre préféré tout court. Oui, voilà, tout simplement. Lequel vous donne le plus envie et. Mais voilà, sans regarder l'alcool. Et les adultes, dites-nous lequel vous donne envie parce que. Voilà. Et n'oubliez pas, c'est à consommer avec modération. Sinon vous allez devenir comme nous. Oh non, j'ai rien dit. Allez, à plus tard. Salut.